ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Prêtez attention à ne pas se mettre en danger. Un savant, à l'époque de l'imam Malik, lui a envoyé une lettre. Vous retrouvez ça dans Majmou' al-Fatawa, dans le chapitre qui parle des attributs d'Allah. Quelqu'un a envoyé une lettre à l'imam Malik, lui demandant la permission de polémiquer avec des innovateurs. L'imam Malik lui a interdit. Il lui a dit, il suffit que tu ramènes des mauvais arguments, même si tu es dans la vérité, et aux yeux des gens et aux yeux des innovateurs, ils vont croire qu'ils sont eux dans la vérité, car tu as ramené de mauvais arguments. Car c'est toi qui ne sais pas amener les bons arguments. Et il n'a autorisé de polémiquer qu'aux grands savants qui sont capables de les faire taire. Alors que c'était un savant qui lui a posé la question, c'est pas un ami. Aujourd'hui, on trouve tout le monde polémique sur tout. Tout le monde a un avis. Les boueurs, il a un avis. Le coiffeur, il a un avis. Des ignorants, des gens inconnus, ils ont un avis. Encore plus depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Twitter ou la Facebook ou la je ne sais quoi. Yahri, tu as ouvert un compte Twitter. Suis les paroles des ulama. Et tais-toi. Transmets les paroles des ulama, c'est tout. T'es obligé de faire une explication, un ta'liq, tais-toi. Car tout ce que tu écris, Allah va te demander des comptes. Est-ce que la personne a le droit de parler sans science? Et ça, c'est un malheur aujourd'hui. Car les gens se sentent tout puissants derrière leur écran. Ils peuvent se permettre d'insulter, ils peuvent se permettre de mal parler. Allah va lui demander des comptes sur tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit, qui il suit, ce qu'il lit, sur son temps. Combien de gens ils sont devant leur écran avec sa femme, ses enfants, ils ne parlent même pas avec eux. Comme il a dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah. Sa femme, elle lui parle, lui, il est devant son écran. Sur le lit, il est devant son écran. Partout, il est devant son écran. Il ne passe même plus de temps pour discuter avec sa famille ou leur enseigner, leur conseiller le bien, déconseiller le blâme. L'importance de ne pas se sentir en sécurité et de faire attention à ne pas prêter l'oreille à des paroles ou à des gens qui pourraient être la cause de notre égarement. Ne te dis pas, je suis capable, moi, de faire la différence. J'écoute tous les arguments et moi, je vais trancher de moi-même. Tu es qui? Quel outil tu as pour trancher? Tu n'as aucun outil pour pouvoir trancher, pour pouvoir reconnaître la vérité du fond. La seule chose qu'Allah t'a demandé, c'est de savoir de qui tu prends ta religion. Cherche les gens de confiance, religion, intégrité, science, chez qui tu peux apprendre ta religion ou demander, et demande-leur. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Tu n'es pas responsable du reste de toi-même, faire tes propres recherches. La personne doit connaître sa valeur. Est-ce qu'on veut s'égarer? Combien on reçoit de messages, des mails, des téléphones? J'ai lu tel livre, il dit ça, ça, ça. Comment vous pouvez me répondre? La personne, elle rentre des poisons en elle-même, après elle dit enlevez-moi le poison. Déjà, n'entre pas le poison. Pourquoi tu as été boire ce poison et tu viens nous voir après? Ça, c'est une preuve que nous n'avons pas d'importance pour notre religion. Est-ce que ton corps, tu le mets dans les mains de n'importe qui? Si tu as une maladie grave pour qu'il fasse une opération à cœur ouvert sur toi, ton corps qui va pourrir, qui va devenir de la terre, et ton capital, ta religion, tu les mets dans les mains de n'importe qui. Des inconnus, des sites internet, on ne sait pas c'est qui derrière. C'est pas parce qu'il y a écrit Salafi, ça y est, c'est bien. Il faut voir c'est qui derrière. C'est un talib ilm qui tient ce site. C'est un savant qui est derrière ce site, qui vérifie, ou un étudiant en sciences, ou quelqu'un qui a un contact avec les étudiants, qui fait vérifier ce qu'il y a dedans. C'est pas tout si tu as écrit Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen et Cheikh Al-Albani que ça y est, ça veut dire c'est bon. Les audios, ça peut être trafiqué, inventé même. Il y a des gens, ils peuvent imiter la voix d'un cheikh. Ils peuvent couper ses paroles et faire un montage. Plusieurs montages ont été faits, ou des morceaux ils ont été coupés des paroles des ulama. Donc craignons Allah et ne nous sentons pas en sécurité de l'égarement. C'est ça le message. La guider, on doit la demander et on doit faire attention de se préserver des causes de l'égarement.